Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo déballage de la Xbox One. Alors je vais vous expliquer ma story. Donc la Xbox One, normalement je devais pas vraiment l'acheter tout de suite, mais en fait je l'ai trouvé sur un site, un mec qui la vendait 300€. Une console toute neuve. Elle a été achetée en octobre 2014. Elle a été offerte pour Noël à la personne qui me l'a vendue. Le problème c'est qu'il y a deux membres de sa famille qui lui ont acheté, donc il a dégagé celle-là. Et donc elle est toute neuve, elle a jamais été démarrée, les câbles et tout, ils sont encore emballés. Je l'ai payé que 300€, donc on peut dire que c'est une affaire en norme. En occasion, je l'aurais payé grand max au moins 330, et je saurais pas qu'est-ce qu'elle a vécu derrière. Donc là, 300€, donc en plus j'avais des jeux, j'avais acheté un autre surfer pas longtemps, puis Ghost, ça fait environ quasiment un an que je l'ai. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il donne sur nouvelle console. Donc on va procéder au déballage. Tout de suite mon gars. Ça fait une heure qu'elle est là mon gars. Et temps de la déballer, j'ai envie de dire. Bon, si la capture elle est pas terrible, j'en suis désolé. Parce que je suis pas une bête en capture avec mon PC de merde. Son, je vais bien régler, vous inquiétez pas. Enfin, je vais tout faire pour bien régler. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'il faut enlever. Ça c'est la console. Ok, on va prendre le premier compartiment. Hop. Voilà, ce qu'il reste dans la boîte là, c'est la console. Qui est magnifiquement bien emballée. Donc c'est pas de la couille quoi. Hop. On va la mettre là. Hop. Voilà. Et voilà, regardez. Bon, ça c'est le manuel, on s'en fout. Bon, le bloc d'alimentation. Tu vois. Rien n'a été déballé. Une preuve qu'elle a jamais été utilisée. Pareil pour le casque. C'est quoi ça? Oh la haine. C'est pas une prise française ça? Oh la haine. Par contre, ça c'était pas prévu. J'ai pas une prise française. Oh, comment ça m'a freiné là? J'ai pas une prise française, comment je fais là? Alors ça c'était pas prévu quand même. Bon, ça s'achète hein, un bloc d'alimentation prise française quoi. Mais ça me fait chier parce que il va falloir que j'attende plusieurs jours pour l'allumer. Bref, bon c'est pas grave, on va pas rester campé là-dessus, à vrai dire ça m'a refroidi. Bon, le câble HDMI pareil, emballé. Bon, si c'est pas une console française, est-ce qu'on peut la mettre en français? Moi, je pense bien. Moi, j'espère, quoi. Hop, la manette, elle est là-dedans. Oh, la manette, voilà. Elle est toute neuve, la manette. Ouais, la paire de piles. La paire de piles. Bon, maintenant, on va prendre la console. Hop. Hop, 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 hop.
magnifiquement en bien emballé. Ah ouais, putain, elle est magnifique. Et là voilà. Ah ouais, le mec il m'a vraiment pas menti. Elle est toute neuve. Je vais monter un petit peu la caméra. Toute neuve. Voilà pour 300 euros ce que j'ai réussi à avoir quand même. Voilà, bon bah j'espère que la vidéo t'aura plu. Hein. N'hésite pas à lâcher ton petit like. À me dire si tu as la Xbox One et à me dire si elle te plaît. En tout cas, moi j'espère que ça t'aura plu. Puis ben, mets ton petit like comme j'ai dit, ton avis. Puis ben, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Salut. Voilà. Voilà, la vidéo est finie. J'interviens à la fin parce que bah dans à la fin du la vidéo, enfin dans le truc, vous avez vu que j'étais victime d'une prise américaine. Enfin, je sais pas si c'est une prise américaine ou européenne, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas une prise française, mais en tout cas, il faut savoir que votre câble d'alimentation de votre Xbox 360, oh putain, est compatible sur sur le bloc d'alimentation de la One. Donc pas le bloc d'alimentation, juste le câble qui relie le bloc à la prise sur le courant. Donc pour ceux qui sont victimes de ça, bah n'hésitez pas à prendre votre câble, hein, ce que j'ai vérifié, enfin le voltage, tout ça est le même. Puis j'ai demandé à des mecs qui s'y connaissaient pas mal, donc ça va. Donc bon, bien sûr, le mieux c'est d'avoir chaque fil à sa console, quoi. Enfin, de toute façon, là, je viens de commander sur internet un câble d'alim pour la One, comme ça, moi, si j'en mettrais style ma 360 sur ma 360, puis ma One, alors le sien. Ensuite, je voulais parler de quoi, hein, j'avais quelque chose à dire, je me souviens plus. Oui, le casque. Le casque que j'ai eu avec, vous voyez pas grand chose, mais il est sacrément stylé. Beaucoup plus que celui qu'il y avait sur la 3.6. Oh putain. Ah, je sais pas si vous voyez, mais. J'ai plein de boutons à la gueule, je me suis chopé une allergie. Devinez avec quoi? Avec mon shampoing, c'est sympa. Hein. J'ai plein de boutons à la gueule, on dirait que j'ai la gueule que j'avais quand j'avais 13 ans. Bref. Bon, c'est tout, hein. Plus rien à dire. Hein. Là, ça fait 3 heures que la console, quasiment 3 heures que la console est allumée. Elle est en mise à jour, 512 émaux de mise à jour. Il reste encore 140 émaux à télécharger. Je me fais chier, donc je fais une vidéo. Voilà. Bon, je vais pas vous casser la tête. Donc ben j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton petit like. Ah ouais, et aussi la console, qu'elle vient d'un autre pays ou quoi, voilà, vous pouvez la mettre en français. Hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton petit like, ton avis dans les commentaires. Puis ben moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs après celle-là vous devriez avoir une vidéo sur Call of Duty 3 Xbox 360 parce que je l'ai pas encore mis vu que je vais mettre celle-là à la place. Donc voilà, à la prochaine. Salut.